Salut, c'est Nicolas, plus communément appelé Nicotine sur TikTok. J'ai 23 ans et aujourd'hui, je réponds à vos questions sur la bonne idée. On s'est trompé de gars, désolé. J'ai commencé mes vidéos il y a, je pense, c'était début février. J'avais posté une première vidéo sur TikTok parce que je faisais des vidéos sur en story sur Insta ou quoi, à but humoristique, et les gens me disaient souvent, ouais, tu devrais poster sur TikTok, tu percerais. Mon premier TikTok, c'était un TikTok que je faisais quand j'étais à l'époque, quand j'étais encore facteur. Et en gros, c'est un TikTok où je me moque un peu des facteurs, parce qu'en gros, les chefs disaient souvent d'aller vite et de faire le travail bien. Sauf que faire les deux, c'était pas forcément très facile. Je faisais un petit peu tout à l'arrache, j'allais sans casque, je roulais à debout sur le vélo, je postais les lettres n'importe comment. Déjà vu, qui m'a fait percer, c'est un TikTok qui parle de mes t-shirts Nike, parce qu'en fait je fais la collection, j'en avais je crois 50 allongés sur mon canapé de couleurs différentes, et bah, je l'avais posté, ça m'a pris quoi, 20 secondes, et voilà, ça a fait quasiment 1 million de vues, du coup c'est ça qui m'a fait percer. Des projets, non, en fait, on va dire que TikTok, ça vient vraiment avec les trends qui suivent. C'est tout à la va-vite. J'ai pas forcément de projet. Et en vivre avec TikTok, c'est compliqué. Parce que, on va dire que la rémunération, à peu près, c'est 1 million de vues, 20 euros. Pour faire 1 million de vues, c'est pas forcément facile. Et du coup, le mieux, en fait, c'est rediriger les gens vers d'autres plateformes comme Insta, Snap, pour après pouvoir se développer. En dehors de TikTok, bah moi je suis livreur, coursier, Uber, Deliveroo. Ça me laisse à peu près le temps pour développer mes idées, faire des TikTok. Et sinon aussi, je fais du foot en club. Je suis aussi entraîneur pour des petits-enfants de 9-10 ans, du coup voilà. Mes inspirations, j'en ai pas forcément plusieurs. On va dire mon inspiration principale, c'est Mr. V. Encore. Ça fait beaucoup là, non? C'est, on va dire, le premier qui m'a fait découvrir l'humour sur les réseaux sociaux. Des petits formats comme ça, moi je kiffe. En vrai, si vous avez une passion, un truc qui est, même qui sort pas forcément de la norme, votre personnalité, elle ressortira toujours. Moi, je dis, lancez-vous, on sait jamais ce qui peut se passer. Dis-moi qui es-tu, dis-moi qui es-tu, dis-moi qui es-tu.